amis Sagittaire. Nous nous retrouvons pour votre guidance du mois de juin 2023. Une guidance intuitive qui ne pourra pas parler à tous les Sagittaires du monde, donc prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, votre ascendant, le signe en Lune, en Vénus, éventuellement pour avoir des informations supplémentaires. Si après vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sur la chaîne. Je vous invite aussi à aller voir mon site web où vous pouvez voir tout ce que je vous propose ainsi que les tarifs, en sachant qu'on ne peut pas encore réserver sur le site web. Donc pour prendre réservation avec moi, c'est uniquement message WhatsApp. Je ne réponds pas aux appels car ils sont destinés vraiment au rendez-vous et mail sinon. En vous remerciant pour vos abonnements, les partages, les petits pouces en haut, je vous souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et je vous invite à vous abonner si vous arrivez par hasard sur cette chaîne. C'est grâce à vous que cette chaîne, qu'elle a tout juste un an, voyage, grandit, donc merci sincèrement. Cette guidance est pour les amis Sagittaire en signe solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Donc nous commençons pour voir avec l'oracle des énergies, justement les énergies pour ce mois de juin et verrons un peu qu'est-ce qu'elle a à nous raconter, cette belle guidance que je sens qu'elle va être intense. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. Allez, nous commençons celle-là. Sagittaire, s'il vous plaît. L'énergie dominante pour vous, c'est partir. Quand on vous dit de partir, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, que là où vous êtes, ce n'est plus votre place. Partir, ça veut dire aussi déménagement, aller chercher son bonheur ailleurs, bouger en tout cas, faire en sorte que les choses bougent. Quand on part, on quitte quelque chose. Il y a peut-être une situation, une relation de laquelle vous devez vous défaire, pourquoi pas. Et bon, après, bien sûr, vous verrez bien comment tout cela, ça résonne avec vous. Mais voilà, le mot par lui-même vous le dit, partir, passer à autre chose, lâcher prise, d'accord? C'est aussi tout simplement le bon moment, certainement, pour entreprendre quelques changements dans votre vie. Il y a certainement aussi pour quelqu'un des fausses croyances, d'accord? Et ce qui vous empêche justement de tourner le dos peut-être à un passé. Maintenant, si nous allons voir le relationnel général, hein, votre vie sociale, donc l'amour, la famille, les amis, etc., la patience. Il y a des relations qui vous demandent d'être énormément patient, mais n'oublions pas que nous avons se lâcher prise, hein, d'accord, pour passer à autre chose. Parfois, voilà, il y a une patience des fois que, enfin la patience a ses limites, quoi, d'accord, mais on vous demande de patienter en tout cas. Certes que tout le monde n'est pas porté à s'en aller définitivement, donc cette carte de patience dans les relations en général, ça vous invite tout simplement à patienter peut-être aussi en attendant que la crise passe, pourquoi pas. Hein? Alors, il va falloir en tout cas se détendre et chasser aussi son désespoir, ce désespoir qui vous anime chaque jour, hein? Parce que bon, il y a des relations qui sont compliquées, peut-être qu'elles se sont interrompues momentanément. Donc, il faut chasser en tout cas cette anxiété, il faut chasser tout ce qui est négatif, le désespoir. Hein. N'essayez pas non plus d'imposer votre propre volonté aux autres, hein, parce que voilà, chacun a ses croyances, chacun son point de vue, qu'est-ce qui est bon pour vous ne l'est pas pour les autres et vice-versa. Donc, n'imposez jamais rien à qui que ce soit. Et surtout votre volonté. On doit vous accepter tel que vous êtes et on doit vous comprendre dans cette relation. D'accord? Donc calmez votre esprit et surtout, voilà, laissez-vous venir les autres à vous. Je pense qu'il y a besoin de patienter si vous avez besoin de relier, de retisser des liens. Maintenant, sous qu'est-ce qui est votre vie active, donc travail, retraite, que vous travaillez ou pas, les projets, les ambitions, le matériel, le financier. Contrat, certainement mes chers amis, un équilibre qu'on retrouve dans sa vie matérielle, financière, mais aussi professionnelle. Ça peut être des nouveaux contrats de travail pour quelqu'un, ça peut être des signatures de crédit, ça peut être des investissements, donc l'achat, la vente, mais il y a des signatures officielles durant ce mois-ci. Donc aussi pour les personnes qui doivent partir à la retraite, vous voyez, il y a certainement quelque chose ici à concrétiser, hein, on officialise.
Après, nous allons développer, bien sûr. Maintenant, nous allons voir votre côté spirituel et émotionnel, l'ange de la force. Vous serez accompagné par cet ange, mais ça vous demande d'avoir énormément de force et de courage. Ça vous demande d'avoir énormément de compassion pour vous, pour les autres. Donc, la patience aussi, n'oubliez pas, nous avions cette patience aussi au départ. On vous demande aussi de faire appel à votre force intérieure et à votre propre pouvoir personnel, d'accord? Parce que vous avez en tout cas la possibilité de créer ce que vous voulez, mais surtout cette force intérieure est vraiment un esprit d'initiation qui circule en vous, et durant ce mois de juin ça va être très fort, très puissant. Donc voyez que il est temps peut-être aussi d'agir pour vous-même. Vous êtes capable en tout cas de prendre davantage en main votre destin, et ici si vous désirez quelque chose, voilà, vous pacifiez dans une relation, pourquoi pas, hein? Ou alors tourner tout simplement le dos, partir, d'accord, pour sortir de ces relations que vous font souffrir, pour ce travail qui ne vous convient pas, etc. Alors on tourne le dos, on lâche prise, on avance. Certes que pour certains il faut patienter parce que ces énergies varient, hein? Donc quelqu'un il sera peut-être là-dedans déjà maintenant, d'autres ils le seront à la mi-mois de juin, d'autres à la fin de juin, d'autres peut-être en juillet, mais tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations. Donc, il y a certainement en tout cas des officialisations, des contrats, des nouveaux engagements, des désengagements, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi voilà, les signatures officielles de certains divorces, des problématiques légales qui prennent fin. On peut recevoir des réponses durant ce mois de juin. Avec la balance, c'est aussi des questionnements sur soi-même, être dans la vérité, donc accepter et puis prendre ses propres responsabilités pour son propre bien-être et pour son propre équilibre. Donc émotionnellement, vous aurez besoin énormément de force et de vous écouter. Le conseil, lui, parle de la jalousie. La jalousie, c'est tout simplement une insatisfaction. Bien sûr que pour quelqu'un, vous devrez faire attention peut-être aux personnes qui sont autour de vous, mais pour d'autres, c'est vraiment une insatisfaction. Hein? Ça peut être aussi votre propre jalousie vis-à-vis à la réussite de quelqu'un d'autre, mais moi j'entends plutôt ça comme une insatisfaction dans une relation où vous patientez peut-être déjà depuis un moment qu'il y a quelque chose qui doit changer et ça ne change jamais, hein? Moi j'entends surtout ça dans ce sens-là. Après vous adaptez, bien sûr il y a énormément de choses qui sont possibles ici, mais moi je vais vous donner qu'est-ce que je ressens principalement. Après vous adaptez à votre situation. Alors pour les amis sagittaires. Ouais. Alors voyez que dans les énergies avec la carte de partir, nous avons le rêve. Il y a certainement quelque chose que vous désirez ici, hein. Et ben pour pouvoir l'obtenir, mes chers amis, il va falloir oser. Il faut s'en aller. D'accord? Si vous voulez un autre travail, une nouvelle relation, voilà, on tourne le dos, on lâche prise sur quelque chose et on avance. On a un rêve qu'on veut réussir et ce rêve, c'est à vous en tout cas de mettre tout en œuvre pour pouvoir le réaliser. Dans les relations, il faut faire un tri. Bah, le moment est venu, voilà, peut-être de laisser des personnes derrière soi pour pouvoir se réaliser pleinement. Il y a certainement des relations qu'elles sont finies et sous lesquelles il faut tourner une page. D'autres, tout simplement, faites le tri des personnes qui sont jalouses auprès de vous, qui sont toxiques, qui vous mènent vers le bas, qui ne vous aident pas à vous développer, à vous réaliser pleinement. Ce tri vous permettra, avec sainte patience, vraiment de garder autour de vous les personnes sous lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer et que vous savez qu'elles sont bénéfiques pour vous. Maintenant, si vous avez patienté dans une relation ou plusieurs et que vous voyez que rien ne change, si votre désir est-il de qu'ils sortent de votre vie parce que finalement ils font plus de dégâts qu'autre chose, faites le tri tout simplement. Sur le côté professionnel, matériel, financier, avec la carte du voyage, bon, il y a peut-être tout simplement un voyage à organiser avec la famille, les amis pour quelqu'un, pour d'autres c'est un voyage intérieur, d'accord? On a cette force, cette compassion pour soi-même, on va essayer de travailler sur soi, justement pour lâcher prise, pour se reprendre en main, pour se construire, voilà, pour faire en tout cas des choses qui font du bien. Hein, mais c'est surtout aussi ce voyage-là, pour moi, je l'entends aussi pour quelqu'un comme un déménagement, donc voir une mutation, voir on a envie de créer quelque chose, mettre ça à son compte, mais ailleurs, voyez, on a envie de bouger. Il y a le mouvement ici pour les amis sagittaires. Maintenant, sur le côté émotionnel, spirituel, avec cette force, il faut prendre votre envol. Il va falloir oser, voyez, prendre ses risques, partir, s'en aller, tourner le dos à une situation, à une personne. Il va falloir s'éloigner de ces personnes qui sont toxiques. Il faut faire ce tri. C'est très important. Il y a certainement des nouveaux engagements pour d'autres, surtout pour les personnes qui doivent partir à la retraite. Si vous étiez coincé dans une démarche ou dans une démarche administrative, laquelle qu'elle soit, ça va se débloquer ce mois-ci.
Voilà, mais il faut aussi émotionnellement avoir ce courage de prendre cet envol, de voler de ses propres ailes, d'oser sortir de sa zone de confort, de prendre quelques risques, d'aller chercher une nouvelle aventure, d'aller chercher une nouvelle opportunité, de pouvoir en tout cas vivre peut-être quelque chose de différent, hein, changer. Et sous le conseil, on dit que vous devez méditer. Il y a certainement une insatisfaction pour vous et vous devez méditer parce que cette méditation, ça vous permettra de vous retrouver, d'être en accord avec vos désirs, être en accord avec ce que vous rêvez, être en accord aussi surtout sur les décisions que vous devez prendre pour quitter quelque chose ou quelqu'un, pour faire ce tri, pour patienter. Si en fait après vous voulez sauver une situation, une relation, parce que tout le monde va pas s'en aller définitivement. Il y en a peut-être qu'il faut qu'ils patientent et puis avec le temps, ils travaillent dessus, voilà, on va pouvoir certainement comment dire, continuer dans cette relation ou sous ce job par exemple, d'accord. Donc il y a certainement ici, mes chers amis, pour quelqu'un des décisions à prendre pour voler de ses propres ailes, d'autres patienter si vous voulez qu'une situation s'arrange. Vous le saurez en tout cas si vous devez patienter ou pas, hein? Personne meilleur que vous sait qu'est-ce que vous vivez au quotidien. Allez, nous continuons. Sagittaire, s'il vous plaît. En tout cas, il y a un changement. Les énergies vous le disent. Il y a un changement pour vous. Hein? Ouais. On me redit encore une fois dans le conseil qu'il faut lâcher prise. On vous le disait déjà en début de guidance. En tout cas, il y a un changement pour vous. Il y a la roue de la fortune. Pour certains, il y a des situations que grâce à cette patience et à cette force, il y a des situations qui s'améliorent. Pour d'autres, on me parle encore de déménagement possible ici, hein, d'un voyage. Peut-être qu'un voyage vous ferait du bien. Mais il y a surtout la notion, en tout cas, que les choses bougent finalement pour vous. Donc il y a certainement des amis sagittaires qui vont comprendre que tout dépend de vous, que si vous voulez que quelque chose change dans votre vie, si vous voulez attirer l'amour, c'est quand même à vous de vous investir et de faire en sorte de l'attirer, d'accord. Ça ne viendra pas tout seul en frappant à votre porte pour dire je coucou, je suis là, non, d'accord. Donc il y a quand même un changement. Maintenant, sous les relations en général et le sentimental, j'ai la carte de l'existence. La carte de l'existence, ce n'est autre que le magicien ou le battleur. Alors vous existez, mes chers amis, donc ne vous faites pas maltraiter, ne vous faites pas malmener par les autres, d'accord. Faites le tri de ces personnes qui sont jalouses, qui sont envieuses, qui sont toxiques, qui sont malsaines pour vous. Ce tri, il faut le faire aussi tout simplement parce que vous devez exister. Vous devez attirer à vous l'amour, vous devez attirer à vous les amis, en tout cas même la famille, des personnes que sont en tout cas des personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes qui vous font du bien. Il y a besoin d'exister aussi aux yeux de quelqu'un ici. Et donc, il y a quelques amis sagittaires qui vont encore patienter parce qu'il est important pour vous d'exister aux yeux de cette personne. Certainement, on balaye, tout simplement, on fait le tri peut-être d'un passé pour quelqu'un, c'est possible aussi, parce qu'il est important pour vous d'exister aux yeux d'une certaine personne, même plusieurs. Après, voilà, sachez que pour construire une relation, si vous avez un objectif en tête pour votre famille, pour vous, hein, pour passer peut-être aussi à une étape supérieure dans votre relation, pour rencontrer le nouvel amour, sachez que vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir justement construire votre vie sentimentale, familiale, amicale à votre image. Vous avez ce pouvoir en vous qu'il est inné, qu'il est illimité, donc profitez-en, ayez cette force, ne vous sentez pas satisfait. Commencez déjà pour remercier tout ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez vécu, parce que tout est une belle leçon de vie que vous apprend à grandir et à mûrir. Maintenant, voyez que sur le plan professionnel, matériel et financier, il y a la répression. On réprime quelque chose. On a peut-être peur de ne pas réussir. C'est peut-être lourd, certaines complications pour un divorce, un héritage, hein, un projet que vous avez en tête, pouvoir le réaliser, pouvoir en finir, pour pouvoir finalement tourner le dos et lâcher prise. Par cette répression, mes chers amis, vous devez vous remettre debout. Pourquoi? Parce qu'émotionnellement, vous devez le comprendre, et spirituellement, si vous ferez un petit travail sur vous, vous le saurez parfaitement, que ce sont toutes des expériences de la vie. Ce qui veut dire qu'un bien ou un mal, tout ce que vous avez vécu, ça vous permet tout simplement de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Les erreurs, ce ne sont pas des échecs. Au contraire, ce sont des cadeaux. Parce que ça vous permet de comprendre qui vous êtes vraiment. De comprendre vos limites. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, hein? Quelle est la vie qui vous correspond, que vous aimez? Toute expérience dans la vie. Tout. Donc, n'ayez jamais de regrets. Et le conseil vous dit de lâcher prise. Méditez pour lâcher prise.
Hein. Méditez, promenez-vous dans la nature, faites des choses qui vous font sentir bien, qui vous relaxent. Prenez ce moment de détente et lâchez prise. Parce que c'est de cette manière-là que vous arriverez en tout cas à vous débloquer. Moi, je pense ici qu'il faut quitter une situation qui est arrivée à terme. Ça peut être aussi des émotions, hein. Ça peut être aussi des émotions, une façon de penser, etc. Nous continuons pour vous. C'est peut-être aussi des amis sagittaires ici qui ont eu du mal dans leur enfance, pourquoi pas. Nous allons voir si ça ressort, mais pour quelqu'un, c'est qu'est-ce que je sens ici. Nous avons en tout cas à nouveau la carte de la justice, hein. Donc avec les contrats. Vous pouvez avoir quelqu'un des signes des balances en face de vous, mais bon, pas seulement, hein, ce sont des petits détails, vous voyez, pour tout simplement pour vous donner quelques indices, mais la guidance est générale. Donc, vous voyez que dans les énergies, nous avons cette carte de la justice qui parle de trouver un équilibre. Hein. Il y a un changement ici pour vous, des situations qui s'améliorent, mais soyez dans la vérité. Et puis, pour quelqu'un, ça me parle encore de ces problématiques légales qui vont certainement se... pour quelqu'un, pas pour tout le monde, hein, avoir des résultats durant ce mois de juin, hein, juillet ou plus tard, mais voilà. Il y a certainement ici cet équilibre que vous avez besoin de retrouver, donc en faisant ce tri dans certaines relations, et tout simplement aussi en patientant pour d'autres. Après, voilà, s'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, il faut partir, soyez toujours dans la vérité, d'accord ? Prenez aussi vos propres responsabilités, d'accord ? Faites le bilan de votre vie, ce qui vous permettra ici de comprendre qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Et il est très important de savoir où vous en êtes. Hein? De toute façon, dans les relations générales et sentimentales, je pense que vous allez, comme ce cavalier d'épée, vraiment lâcher prise et avancer. Faire le tri qu'il est nécessaire de faire pour quelqu'un, pour d'autres de patienter. Mais voilà, on patiente, on fait ce tri, on existe. Donc on se prend en considération, on sait qu'est-ce qu'on veut dans une relation, quel qu'elle soit le lien. Et je pense qu'ici, on va finalement avancer. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie, comme pour certains, c'est l'amour, parce que vous existez, cette existence, elle est importante auprès de quelqu'un. Donc pour quelqu'un, il peut y avoir certainement ici, en lâchant prise, en méditant, le fait d'attirer, hein, cette âme sœur, en fait, une personne qui vous convient. Mais ça peut être tout simplement aussi partir, voyez, on tourne le dos, on avance, on court, on ne s'arrête plus, on ne changera pas d'avis, on veut que ça change, hein, on va trancher, on va prendre des décisions, tout simplement parce que le tri est nécessaire, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas, en tout cas, positive pour vous. Sous le plan professionnel, matériel, financier, la reine de bâton parle de satisfaction, de nouveauté, parle de cette surpassée, d'énormément de joie. Hein. C'est très positif parce que c'est les nouveaux engagements, les nouveaux contrats, les officialisations des projets, hein, de certaines de nouveaux contrats pro, contrats peut-être aussi, voilà, pour d'assurance, je sais pas quoi, mais voilà, on doit partir à la retraite, on fait le nécessaire, il y a des verdicts de justice ici, donc voilà, c'est très positif. Qu'est-ce que vous réprimez? C'est peut-être une peur que ça ne débloque pas. Lâchez prise et vous verrez qu'en fait, ça sera une grande joie pour un projet pro, matériel, financier. Votre émotionnel vous dit que toute expérience, d'accord, donc ayez cette force et surtout, accepter que tout est une grande leçon de vie qui va vous permettre de grandir. Parce que si vous voulez voler de vos propres ailes, il va falloir tout simplement, avec cette page de bâton, de se dire que ce que vous désirez, qui vous tient à cœur, vous pouvez l'obtenir. On me parle de nouveauté encore une fois ici. Certains, pour avoir cette nouveauté, il faut qu'ils s'en aillent, qu'ils changent de lieu de résidence, qu'ils changent de lieu de travail. Ça peut être tellement de choses, mais partir, s'en aller, vous ouvrira à une nouveauté. Donc, c'est peut-être aussi en s'en allant, en partant, en faisant un voyage, pourquoi pas, que quelqu'un pourra rencontrer des nouveaux amis, la nouvelle compagne, le nouveau copain. Il y a une transition ici, donc, parce que le page, vous le savez, comme le 7 et comme le numéro 1, c'est vraiment la nouveauté, le nouveau départ, c'est un nouveau commencement, un nouveau début. Donc voilà, il y a énormément de joie ici pour quelqu'un d'entre vous. Et c'est qu'est-ce que vous avez besoin psychologiquement et émotionnellement? Vous avez besoin de ce changement. Or, dans les énergies, le changement, vous l'avez. Ce changement vous permet de retrouver un équilibre qui vous est propre, mes chers amis. Hein. Pourquoi? Parce que si vous ne lâchez pas prise, si vous ne méditez pas, cette jalousie, cette insatisfaction
va se transformer en grande douleur. Hein, on va perdre le sommeil, on va déprimer, ça va être lourd, on va pleurer. Voilà, le chagrin sera pesant. Alors ne vous infligez pas cela. Laissez s'en aller toujours qu'est-ce qui doit partir et essayez toujours d'accueillir la nouveauté. Trouvez le positif dans chaque point négatif de votre vie et accueillez-le comme une bénédiction qui vous permet de ne pas commettre les mêmes erreurs à l'avenir. Ce qui vous permettra aussi de sortir d'un passé, de certaines situations et relations qui vous ont fait du mal, d'accord? Ce qui vous permettra de sécher vos larmes, de vous remettre debout aussi, hein? Nous allons couvrir pour les amis Sagittaires avec l'oracle angélique, des réponses angéliques. Ok, allez. Alors, dans les énergies, il y a un changement. Cet changement est pour un avenir proche pour quelqu'un d'entre vous, parce que je vous l'ai dit, les énergies n'auront pas le même impact sur tout le monde au même moment. Mais dans cet avenir proche, il y a certainement un nouveau contrat pour quelqu'un, un objectif que vous allez réaliser, la nouvelle rencontre amoureuse. Donc, mais il faut peut-être tout simplement aussi décider de partir pour que dans cet avenir proche, quelque chose change pour vous. Si vous avez un rêve à réaliser, il faut que vous vous investissiez un tout petit peu et dans cet avenir proche, vous allez le réaliser. Hein? En tout cas, vous êtes prêt à accueillir une nouvelle rencontre dans votre relation, comme vous êtes prêt aussi pour une réconciliation. Vous êtes prêt à partir et à quitter des relations toxiques, en tout cas qui vous sont insatisfaisantes à vos yeux. Vous êtes prêt. Hein? Vous êtes prêt pour vous engager ou vous désengager, pour pardonner ou pas. Vous êtes prêt dans ces relations pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire entrer de nouvelles personnes aussi dans votre vie. Sous plan professionnel, matériel et financier, il y a quelque chose qui s'améliore, il y a un changement positif, il y a des nouveaux contrats, il y a une entrée d'argent. Il y a tout simplement ces répressions, des peurs de ne pas y arriver. Mais si vous allez arriver, tout doucement, vous allez retrouver la joie. Vous allez arriver, en tout cas, à vous remettre sur pied. Donc, votre situation professionnelle, matérielle, financière va s'arranger. Et voyez que sous l'émotionnel, mes chers amis, il faut communiquer clairement. Demandez pour recevoir. Dites qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez sur le cœur. La communication est très importante parce que c'est elle qui vous permettra de vous libérer de tout ce qui fait mal et en vous libérant, vous lâcherez prise et vous vous sentirez mieux. En tout cas, le conseil me dit non. Non à quoi? Non, vous ne devez pas vous reposer sur vous-même dans le sens, vous ne devez pas tomber dans cette déprime avec le 9 d'épée, d'accord? On vous demande plutôt de méditer. Certes qu'il y a une insatisfaction dans votre vie, certes qu'il y a des personnes peut-être que ne sont pas, qu'elles sont malsaines envers vous, mais grâce à la méditation et au lâcher prise, vous éviterez cela. Donc non, mes chers amis, si vous lâchez prise, si vous apprenez à vous isoler, à prendre du temps pour vous, à vous éloigner de certaines situations, de certaines relations aussi, si vous avez cette force et ce courage en tout cas, ou de patienter, ou de partir, non, vous ne tomberez pas dans la déprime. Non, vous ne souffrirez plus. Non, vous sécherez pour toujours ces larmes, vous voyez. Non, vous ne serez plus dans la souffrance. Par contre, il y a quelques amis Sagittaires que je pense que pendant ce mois de juin aura encore du mal et que donc non, n'arrivera pas à lâcher prise. Il y a quelques amis Sagittaires qui fatiguent en fait pour lâcher prise, pour faire un deuil, pour tourner une page. Donc non, vous n'y arriverez pas. Quelques amis Sagittaires, malheureusement, n'y arrivera pas. C'est qu'est-ce que j'entends ici? Parce qu'encore une fois, moi je vous le souhaite, hein, mais pas tout le monde vivra ces énergies au même moment et de la même manière. Malheureusement, il y a quelques amis Sagittaires qu'il faudra qu'ils attendent encore un peu. Sauf si, mes chers amis, vous mettez la bouchée double, comme on dit, et que vous allez dès maintenant, hein, lâcher prise, méditer, prendre soin de vous, partir, vous éloigner, patienter, après vous adapter. D'accord? Mais pour moi, ce nom-là, c'est aussi pour que vous n'avez pas droit, en tout cas, de vous refuser le bonheur. Non, vous n'avez pas le droit. D'accord? Vous n'avez pas le droit de vous mettre dans un petit coin, de pleurer, de regretter, de je ne sais pas quoi moi. Non, non, non. Vous devez être dans la lumière, vous devez briller. Et pour briller, il va falloir que vous preniez des décisions qui sont en accord avec vous-même. C'est très important ici, hein, mes chers amis. Hein. Donc, ouais.
Je pense que c'est un mois pour vous intéressant, vraiment intéressant, parce que c'est vraiment un travail que vous devez faire sur vous-même. Vous devez travailler sur vous-même. Et c'est ça que je vous demande, hein, pour ceux et celles qui veulent bien l'entendre, travailler sur vous. Il est temps que vous lâchiez prise. Il est temps vraiment que vous preniez soin de vous. D'accord? Nous allons voir un message de la déesse Kuai Yin. Kuai Yin, cette magnifique déesse de la bienveillance à qui vous pouvez faire appel si vous avez besoin. Kuai Yin, s'il vous plaît. Joint pour les amis Sagittaires. Sagittaire. Ne doutez jamais de vous, hein, mes chers amis. Jamais, 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 jamais. Lumineux. Vous êtes un être lumineux. Hein, vous êtes un être de lumière. Quand tu ressens de la douleur en toi ou autour de toi, souviens-toi que ma lumière ne fait qu'un avec toi. Médite sur ma présence dans ton cœur et cette lumière chassera l'obscurité. Il y a quelques amis sagittaires qui ont certainement du mal à faire avec un deuil, hein, énormément peut-être de problématiques sous n'importe quel domaine de votre vie. Donc, il faut que vous travailliez sur vous, mes chers amis. C'est très important. C'est qu'est-ce qui vous permettra d'apporter le changement dans votre vie. Travaillez sur vous et un changement se produira. Voilà, c'est à vous, mes chers amis, d'attirer ce changement. Nous allons prendre un petit message du petit tarot. Ce sont des messages qui aident énormément à la réflexion. Ce sont des petites phrases, mais qui sont très intenses. S'il vous plaît, pour les amis Sagittaires, joint, s'il vous plaît. Merci, mes guides. Un message pour nos amis Sagittaires. Il y a peut-être aussi de l'indécision pour quelqu'un d'entre vous, hein. Vous n'êtes pas sûr du chemin que vous avez emprunté, de qu'est-ce que vous avez à faire. Bah, lâchez prise, c'est ainsi que vous le saurez. J'ai à nouveau le mât, mais nous l'avons déjà eu avec la carte de l'existence dans le sentimental. Le mât, c'est le magicien. Quelle que soit la magie que vous voulez mettre dans votre vie, vous avez tous les outils et les capacités à votre disposition pour pouvoir créer les relations que vous désirez, amicales, sentimentales, etc. Le mât, le batelor. Donc, vous avez aussi des talents cachés, mes chers amis, parce que chacun d'entre nous a des capacités. Hein. Après, bon, on les met au service des autres ou pas, on les utilise, on les exploite vraiment à 100%, ça c'est encore autre chose. Mais vous avez des compétences et vous avez surtout aussi énormément de talents. Talents qu'il faut peut-être maintenant montrer, démontrer, enfin, comme vous voulez, mais voilà, il y a certainement, en tout cas ici, énormément de ressources en vous et autour de vous. Le message vous dit, avance un pas après l'autre, à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel. Mon chemin est sacré et tout tracé. Mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. N'oubliez pas que ce que nous avons ici, hein, partir et ne pas revenir. Hein, certainement sortir de certaines situations, de certaines relations et ne pas revenir. Mais surtout en créer des nouvelles. Hein. Après, vous adapter à n'importe quel domaine de votre vie, mais il ne faut pas revenir en arrière. Hein. On prend une décision, on y reste. Certes que ce n'est pas facile, mais voilà. Faites les choses en tout cas à votre rythme sans jamais vous précipiter. Il faut toujours être bien sûr de vous. Et je pense que vous avancerez et que vous pourriez créer quelque chose de différent, de nouveau, en tout cas prendre un nouveau départ. Donc travaillez bien sur vous parce que c'est vraiment le noyau de cette guidance. Travaillez sur vous pour apporter un changement. Nous finissons un petit message des guides pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît. Le message des guides. Celle-là, elle s'est retournée. Ne renoncez pas à votre pouvoir. C'est qu'est-ce que je vous disais il y a quelques instants. Vous avez énormément de capacités, vous avez énormément un grand pouvoir en vous. Mettez-le au bon service pour créer la vie que vous désirez.
ne y renoncez surtout pas. Peu importe qu'est-ce que vous avez pu vivre, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. Si c'est toxique, éloignez-vous. Vous avez toujours cette capacité de choisir et d'emprunter un nouveau chemin, le bon chemin. Ne doutez pas, mes chers amis, je sais que parfois c'est difficile, mais donnez-vous vraiment cette volonté d'accepter tout type de changement dans votre vie. Parce que le changement est souvent pour le mieux, pour le mieux-être. Et surtout, le changement est positif ici. On ne peut pas changer d'une situation, d'une relation toxique pour descendre encore plus bas. On s'en libère pour trouver mieux, mes chers amis. Et puis pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc, ne renoncez pas à votre pouvoir. Travaillez sur vous et le changement arrivera. Mais vous devez travailler sur vous. Vous devez avoir cette force et cette compassion pour vous-même. Et vous devez aussi communiquer clairement vos intentions, vos souhaits. Ce qui vous permettra ici d'accueillir la nouveauté. Donc voilà pour vous mes chers amis. Je ne sais pas si cette guidance vous aide, vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Moi personnellement, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et surtout, je vous souhaite que tous vos désirs prennent vie. Mais croyez en vous. Si vous voulez appeler le changement dans votre vie, vous devez y croire. Et vous devez l'appeler par la positivité et par votre propre pouvoir intérieur. Et ce pouvoir réside en chacun d'entre nous. Il y a certainement, en tout cas ici, du mouvement durant ce mois de juin. Donc, faites en sorte que les choses bougent, mais positivement pour vous. Éloignez toujours qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui vous fait perdre le sommeil, qu'est-ce qui vous fait pleurer en fait, d'accord ? Tout qu'est-ce qui vous fait mal, qu'est-ce qui vous inquiète, qu'est-ce qui vous désespère, qu'est-ce qui vous déprime. Voilà. Mes chers amis, je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous dis à très bientôt.